Nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo le passage à niveau et l'automatisation. Alors pour cela, j'ai construit ici donc un système avec une route qui comporte trois parties. Ensuite ici, on a un rail qui a le nom ici, vous voyez de voie 1. Là, on a un autre bout de voie, voie 2 et ici on a au centre ici une voie qui s'appelle passage animaux. On retrouve sur le circuit des triggers. Donc il y a un trigger sous la locomotive. Voilà, voilà. On retrouve ici un trigger contact 1. Et puis un autre trigger qui s'appelle contact 2 qui est de l'autre côté donc on voit mieux ici en vue 2D donc ici on a les triggers voie 2 voie 1 trigger locomotive et passage à niveau qui se trouve ici si je fais ceci vous voyez j'efface la partie qui est la route ici. Et donc ensuite, je pourrais euh, sélectionner cette partie, qui est la voie passage animaux, qui va être utilisée comme trigger. Ensuite, on retrouve ici les barrières qui servent de passage animaux. Et là, faites bien attention au nom du trigger, car on va devoir utiliser... La dernière partie à côté du après le signe moins ce sera important pour l'automatisation, ce sera justement pour reconnaître le passage à niveau. Alors si par exemple je clique ici sur le pinceau, vous voyez qu'on a donc différentes possibilités. Regardez donc ici le passage à niveau. Si maintenant on clique sur le play ici, on peut manipuler donc le passage animaux en agissant ici, vous voyez, sur la variable qui se trouve ici, et en choisissant le sens. Alors si par exemple maintenant j'augmente, vous voyez ce qui se passe, la barrière donc va se fermer progressivement par rapport à la valeur. Et dans l'autre sens, donc voilà ce qu'il va falloir automatiser. Donc il va falloir trouver un système qui nous permet d'incrémenter cette valeur qui se trouve ici. C'est ce qu'on appelle une itération. Alors ici on peut aller d'un côté et de l'autre côté. Alors regardons maintenant l'automation. Vous voyez que le programme n'est pas très compliqué. Donc là, on inverse le sens de la marge de la locomotive. Là, on ferme le passage à niveau. Et là, on ouvre le passage à niveau. On commence par sélectionner la locomotive. Et ensuite, avec le bouton droit, on fait événement. On cherche un nouvel événement. Train, véhicule, stop. Donc là, vous voyez, train véhicule diesel stop. Alors, je vais pouvoir le supprimer, car en somme, c'est exactement ici, train véhicule diesel V60 stop. Et là, je programme. Donc ici, la première chose que je mets ici, c'est un timer. Donc, je vais dans action. Je fais Time Control et je fais Déferred Exécution. Et là, je mets par exemple un délai. On va mettre un délai plus court cette fois. On va mettre un délai de 2 secondes par exemple. Ensuite, on doit rajouter cette action là. Ensuite, je dois trouver cette ligne de code. Donc, c'est les propriétés ou bien une variable. Alors ici vous voyez c'est pour définir une vitesse donc à notre locomotive. Alors on fait plus, on y va dans Action, on fait cette propriété variable. Ensuite ici on choisit propriété. Ensuite ici on choisit le mode de propriété, c'est un trigger. Donc le trigger véhicule, là on a un target speed et là on a une vitesse. Alors la vitesse on va mettre moins 60 par exemple et le target speed ici sur le véhicule on va mettre un target speed absolu. Ça veut dire en valeur absolue donc là je peux de nouveau supprimer cette ligne car je n'ai pas je dois pas en faire un doublon alors je peux déjà faire un test voilà c'est correct alors pour effectuer votre test il faudra peut-être démarrer avec déjà une certaine vitesse sur le véhicule en choisissant la vitesse à cet endroit. alors revenons de notre programmation. Maintenant une chose ici vous voyez on peut donner un nom à notre événement en faisant par exemple ici rename. Maintenant regardons la partie fermer le passage à niveau alors on va la rendre active voilà. Alors ici, on a un commentaire et ensuite ici, on a un objet qui est référencié par rapport à un keyword, c'est-à-dire un nom. Eh bien, vous voyez, le nom qui est ici, c'est ce fameux nom qui est Schrank, qui est le nom qu'on avait vu sur le passage animaux. Alors je reviens sur le passage animaux. Vous voyez, ici, Schrank. Donc ça, c'est pour savoir sur quel objet on doit appliquer l'animation. Car ici, vous voyez, on crée une animation. Mais il faut encore définir sur l'événement, ce qu'on doit faire d'ailleurs en premier, c'est le track contact 1 ou 2 qui va donc déclencher l'animation qui se trouve ici. Alors on procède toujours de la même façon. Vous voyez, event, new, track contact et triggered. On aurait pu aussi, par exemple, faire comme ceci, cliquer ici, faire event, et puis ici, chercher donc track contact is triggered. et là anit track contact on fait select et on choisit par exemple les deux contacts qui sont ici et on obtient donc la même chose que ici ensuite on commence la programmation donc ici on a un commentaire ensuite ici on connaît maintenant on a un délai et là on a une itération car on a dit précédemment qu'on devait changer la variable sur l'animation pour que la, le passage à un niveau s'ouvre et se ferme. Donc on va aller chercher dans plus. Cette fois-ci, on fait itération. Alors je prends quelque chose au hasard pour l'instant. Et vous voyez que la couleur change. Alors je choisis ici, itération, fond objet référence à un keyword. Donc là, vous voyez, on obtient exactement la même ligne de code que ici. Alors je continue ici. Vous voyez, là, je vais mettre le nom. Et ici, je mets une variable d'itération. Alors par exemple, ici, la variable qui a été mise, c'est wdh. Et ensuite, en tout dernier, donc une fois que ça c'est défini, donc keyword, voyez ici il faudra choisir texte pour pouvoir mettre le nom. Ensuite ici, eh bien, on fait play animation. Alors c'est aussi un système avec itération bien sûr puisque c'est une animation. Donc il faut de nouveau aller ici et cliquer sur itération. Et ensuite, eh bien, on met soit qu'on ouvre, soit qu'on ferme ou bien toutes les animations. Ensuite, position start, courant ou end. Et la direction. Alors pour mieux comprendre la notion d'itération, on peut cliquer, vous voyez, ici, pour obtenir la programmation en LUA. Et l'itération, eh bien, c'est cette boucle qui se trouve ici. C'est ça qui correspond à l'itération. Pour revenir, on clique à cet endroit. Alors ensuite, il nous reste le dernier événement. Qui lui est un événement qui va ouvrir le passage à niveau. Alors, l'événement, eh bien, c'est justement sur le trigger qui s'appelle passage à niveau. Alors, souvenez-vous, c'est la portion de la voie qui se trouve ici qui est utilisée. Alors, j'active. Et ici, j'ai la même chose. Ensuite, là, j'ai aussi le même principe et j'ai, par exemple, l'ouverture du passage à niveau. Je fais close et je sauve tout et maintenant, je peux faire un test final. Et voilà, le tour est joué. Je vous cache pas que la programmation qui est effectuée dans ce programme n'est pas tout à fait simple. C'est pas le principe du programme, en somme, qui est pas simple, mais c'est la façon de programmer avec les modules. Il serait plus intelligent d'avoir fait un système avec du Visual Script. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo.